Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser 3 recettes de jus de fruits frais et extra frais. Je dis ça parce qu'on va réaliser des jus avec des fruits frais type avocat et extra frais parce qu'on va réaliser une recette de jus de fruits qu'avec des fruits surgelés. Ça va être fraise mangue et sinon les deux autres recettes, c'est fraise avocat et avocat myrtille. Jamais essayé et j'ai très envie de goûter. Je commence par la recette de jus extra frais. Comme vous le disiez, je vais mettre quelques fraises. Oups, il y en a une qui est tombée. Et je vais mettre un petit peu de mangue avec un grand verre d'eau. Et vous allez voir, le jus, il va être trop trop frais. Ça va être trop agréable. Je vais ramasser ma petite fraise quand même. Allez, j'en mets environ 5. C'est des fraises entières. Et par contre, là, c'est des morceaux de mangue. Désolée. Mon grand verre d'eau. Et c'est parti. Là, je pense que c'est bien mixé. On va goûter en direct. Et à la fin, je vous dirai la recette que j'ai préférée. Je ferai un petit classement. En tout cas, là, la texture est bien lisse. C'est trop bon. C'est trop frais. Mangue fraise. En même temps, le combo ne peut que être bon. Et vous avez vu, j'ai dû rajouter un peu d'eau. Parce qu'à un moment donné, ça faisait trop puré. Ça tournait plus au niveau des hélices. Donc niveau quantité, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup si je vais me faire un jus le matin. Je ne vais pas non plus boire 3 grands verres. Mais bon, si vous êtes plusieurs à la maison. Deuxième recette, ça va être fraises. Donc je vais les mettre là. Et avocat, pareil, je vais ajouter de l'eau. J'aime pas trop mettre de lait ou du jus d'orange. Je préfère mettre une orange fraîche. Mon avocat, il est bien mûr. Et un grand verre d'eau. La texture n'a l'air pas faux folle. Et la couleur, elle n'est pas méga jolie, jolie. Mais bon, après ça, c'est qu'un détail. Bouton. J'ai pas mis assez de fraises. J'ai envie d'en rajouter, mais après, je vais avoir beaucoup trop de jus à boire. On n'est que deux. Après, ce soir, on a invité, il y a une femme enceinte. Pour les femmes qui ne peuvent pas boire d'alcool, qui n'ont pas envie de boire trop de coca et tout, ça peut être une bonne alternative. Là, ça manque un petit peu de sucre ou d'acidité. Mais c'est quand même bon. Peut-être que j'ai mis trop d'eau. Je vais essayer de mettre moins d'eau, là, pour la troisième recette. Avocat myrtille. J'ajoute mon avocat, mes myrtilles. Je vais commencer à mixer et je vais ajouter l'eau au fur et à mesure. Là, je pense que c'est bien mixé. Ça a la couleur de l'açaï smoothie. J'adore ça. Mais ça va pas du tout avoir le goût de l'açaï. C'est pas du tout la même recette. En tout cas, là, la texture est beaucoup plus épaisse. Le jus là, il est plus frais. Pour avocat, fraise, je pense que j'ai mis beaucoup trop d'eau. L'avocat, j'aime bien. Ça donne une texture velours. J'aime beaucoup. Je préfère carrément un petit peu plus acidulé. Je pense que l'avocat, ça doit être une petite partie de la recette. Et il faut rajouter plus de fraises ou plus de myrtilles. Sinon, c'est trop fade, en fait. Mais là, c'est vraiment bien frais. Franchement, j'adore. Je vais faire goûter à Félix. Je vais lui demander quelle recette il préfère. J'arrive. Félicien, il vient de goûter les 3 recette, il a préféré mangue fraise, plus sucré, plus frais. Après, il a préféré cassis, c'est pas cassis, myrtille, avocat et en dernier, fraise avocat. Comme moi, c'est mes deux jus préférés. J'hésite quand même pour la première place. Myrtille avocat, c'est vraiment trop trop bon. L'échec, comme je vous ai dit, pour cette recette fraise avocat, c'est que je pense que j'ai mis trop d'eau et pas assez de fraises. Du coup, c'est trop fade. Et c'est ça aussi, j'ai pas assez laissé mixer et du coup, il y a des petits morceaux. Un petit flop là pour cette recette aujourd'hui. Mais je vais la refaire. Et j'en suis sûre, il y a moyen que ça soit trop bon. Avec un peu plus de menthe, plus de fraises. Bref, voilà pour mes recettes de jus de fruits. J'ai fait pas mal de vidéos où je vous propose d'autres recettes de jus de fruits. N'hésitez pas à les regarder. En fruits surgelés, en magasin, moi ça dépend. Des fois, je peux trouver ananas, mangue, fraises, framboises, myrtilles. En fonction de ce que vous trouvez, il n'y a pas tout tout le temps. Ça peut changer vos petites recettes. Ça permet d'avoir toujours des fruits dispo pour faire des jus. Parce que des fois, ça peut être un peu plus compliqué de garder des fruits frais longtemps. Si vous faites des courses qu'une fois toutes les 2 semaines, voilà, vous pouvez pas garder vos fruits frais pendant 2 semaines. À un moment donné, ils vont être un petit peu trop mûrs. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle recette vous avez préférée, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup beaucoup. Je vous remercie d'avance et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.